Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les inondations au Tchad. Les habitants tentent de renforcer les berges du fleuve depuis le mois de juillet. 575 personnes ont été tuées, 2 millions de blessés selon les Nations Unies. La saison des serpents a commencé en Afrique du Sud, mais les antivenins manquent cruellement dans le pays. Une pénurie qui affecte la population. Environ 4000 Sud-Africains sont mordus par an, chaque année. Focus ce samedi sur la transition écologique en Afrique. Un continent qui contribue à moins de 3% de la pollution mondiale et pourtant il est le premier à en subir les conséquences. Reportage sur l'éco-mobilité en Éthiopie qui a surpris tout le monde en interdisant les voitures à essence. Nous élargissons évidemment la conversation sur les causes et les solutions ce soir avec notre invité, Dr Dorsouma Alhamdou, chef de division du département climat et croissance verte à la Banque africaine de développement. La capitale du Tchad est à nouveau menacée par la montée des eaux. Selon les Nations Unies, les pluies diluviennes ont tué au moins 575 personnes et ont blessé près de 2 millions d'autres dans tout le pays depuis le mois de juillet. Les habitants tentent de renforcer les berges de la rivière Chari en plaçant des sacs de sable le long du bord. Clémence Valère. Entre deux pluies, les habitants d'N'Djamena tentent de s'organiser face aux crues des fleuves Chari et Logone. Armés de pelles et de pioches, ils remplissent des sacs de sable pour renforcer les digues le long de la rivière. Ces jeunes que vous voyez ici aux alentours, ce sont les jeunes du quartier. Et quand ils viennent pour essayer de travailler et donner le nécessaire qu'ils peuvent, c'est juste pour pouvoir contrer l'eau, essayer de mettre ce petit barrage-là afin d'empêcher à ce que l'eau puisse inonder la zone. Plusieurs quartiers de la capitale tchadienne se retrouvent submergés par les eaux du Chari et du Logone, qui ont atteint un niveau record de plus de 8 mètres, dépassant de 4 cm le niveau de novembre 2022. On ne peut pas rester comme ça, laisser l'eau venir faire tomber toute la maison des gens. Et on est là ici, on est tous les voisins. Certains voisins qui vont venir ici pour nous aider, nous aussi on part pour les aider. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les pluies et les inondations ont impacté près de 10% de la population, soit presque 2 millions de personnes. De son côté, le Premier ministre Alaa Mai Alina a convoqué une réunion de crise avec plusieurs ministres et l'armée pour appeler à la mobilisation générale. La saison des serpents a commencé en Afrique du Sud et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les habitants car l'offre d'antivenin est largement insuffisante. Environ 4000 Sud-Africains sont mordus par des serpents chaque année, mais seuls 600 d'entre eux ont accès à un traitement. Le producteur national de vaccins qui produit les antivenins a considérablement réduit sa production depuis le Covid, ce qui entraîne une pénurie non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans la sous-région. Reportage de Caroline Dumais, Tom Canetti et Stéphane Karsten. Avec le printemps, c'est la saison des serpents en Afrique du Sud. Plus de 4000 personnes sont mordues ici chaque année, parfois par des serpents parmi les plus venimeux. Mais seulement 15% des victimes de morsures de serpents peuvent être traitées à cause d'une pénurie d'antivenin. La production sud-africaine s'est quasiment arrêtée en 2020. Ce père de trois enfants est inquiet. Bon, la première chose, c'est que j'ai peur des serpents. Donc s'ils disent qu'il n'y a pas de remède, ça me met mal à l'aise. Pour moi, dans ma culture, je le tue, je ne veux pas mentir. Dans la banlieue du Cap, les dresseurs de serpents sont nombreux. Ils répondent souvent aux appels des résidents. Steve affirme que la pénurie d'antivenin est causée par des coupures de courant et par une mauvaise gestion des capacités de production. C'est très frustrant parce que des gens meurent. C'est un problème sérieux et cela coûte des vies. On peut y perdre un bras ou une jambe. Car évidemment, plus vite vous pouvez obtenir de l'antivenin, surtout lorsque quelque chose comme un mamba vous mord, plus vite vous pouvez commencer à traiter les symptômes de la morsure. L'Afrique du Sud étant le seul producteur d'antivenin sur le continent, la pénurie se ressentira dans toute l'Afrique. Le manque d'antivenin en Afrique du Sud affecte également plusieurs autres pays africains, car beaucoup d'entre eux utilisent notre antivenin. Et maintenant, ils n'ont vraiment pas accès à cela. C'est donc catastrophique.
Une solution à court terme consiste à importer un produit indien, mais qui coûte deux fois plus cher au système de santé national, qui est déjà sous pression. Au Sénégal, la deuxième édition du festival Dakar Série, l'événement qui célèbre l'explosion de la production audiovisuelle africaine, se referme aujourd'hui, ce samedi, à travers des projections, tables rondes, masterclass. Dakar Série s'est positionné du 8 au 12 octobre comme un véritable tremplin pour le développement des productions africaines, un secteur en plein essor sur le continent avec des investissements se chiffrant à plusieurs millions. Sarah Sako y a fait un tour. 25 pays sont représentés à l'occasion de ce festival avec des poids lourds de la production de la série, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maghreb, mais aussi ici en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Sénégal. Il y a des rencontres professionnelles mais également des ateliers comme cet atelier d'écriture dirigé par le Burkinabé Issaka Sawadogo, des panels également, des tables rondes avec des axes de discussion très concrets, comment mieux structurer l'industrie de la série sur le continent, comment pallier au manque de circulation des séries de l'Afrique anglophone à l'Afrique francophone, mais également comment travailler son récit. Écoutez. Les gens, ils arrivent avec des idées incroyables, mais qu'ils ne savent pas forcément très bien ou tout le temps très bien structurer ou bien aligner ou agencer, des choses comme ça. Et donc, nous, mon travail en tant que monteur, c'est de dire voilà ce que tu dis. Et voilà comment tu peux le dire. J'ai pu rencontrer des réalisateurs où il y a eu du feeling. J'ai pu partager des projets, trouver des coproducteurs. Et puis, j'espère en tout cas qu'on a pu, qu'un bébé, parce que nous, les projets, ce sont des bébés, que ça pourra naître à l'issue en fait, de ce Dakar Série. Deux compétitions sont organisées, une pour les séries courtes et une pour les séries longues. 15 séries au total sont en lice, en provenance de 10 pays différents. On passe au focus du jour sur la transition écologique en Afrique, un continent qui cause moins de 3% de la pollution mondiale et pourtant qui en subit les premières conséquences. Et nous en rendons souvent compte dans ce journal. Inondations, incendies, sans parler de la santé des populations. Avant d'aller plus loin sur le sujet avec notre invité, je vous propose de faire un tour en Éthiopie où le gouvernement a pris une résolution drastique et interdit toutes les importations de voitures à essence. Seule l'importation des voitures électriques est autorisée pour les particuliers et les entreprises en Éthiopie. La mesure est pour le moins radicale et peut surprendre dans un pays où 50% de la population n'a pas accès à l'électricité. Reportage à Addis Abeba, d'Élodie Cousin, Clotilde Hazard et Bastien Renouille. Depuis deux mois, Nati n'a plus à passer deux heures dans la file d'attente des stations essence. En janvier, l'importation de véhicules thermiques a été interdite en Éthiopie. Il a acheté une voiture électrique. J'économise beaucoup d'argent en carburant. Et c'est une voiture neuve. Je l'aime bien. C'est pour ça que je l'ai achetée. Il dépense 14 euros en électricité par mois contre 160 en carburant. Mais aucune station de charge n'est encore ouverte dans le pays. Il faut brancher la voiture à la maison. Problème, les coupures de courant sont très fréquentes. Parfois, il n'y a plus d'électricité, donc on ne peut pas partir. Il faut attendre que ça revienne. Pour une voiture neuve, Nati est prêt à faire avec. Il a choisi une voiture chinoise, en moyenne 10 000 euros moins chère que les européennes. Ce concessionnaire a sauté sur l'occasion et s'est spécialisé dans la vente et la réparation de voitures électriques. Il a passé un accord avec un fabricant chinois qui paye un technicien sur place. Kim nous aide à réparer les voitures et à communiquer avec le fabricant. Il forme aussi nos employés pour le futur. Les voitures électriques sont moins chères que les voitures à essence, mais leur prix reste élevé, 25 000 euros minimum. Si vous achetez une voiture, ça veut dire que vous êtes dans la courbe des revenus moyens. Car les voitures sont très chères en Éthiopie en raison des taxes plus élevées que dans d'autres pays. En ce qui concerne les voitures électriques, le gouvernement a procédé à de nombreux ajustements. Mais le problème, c'est que les coûts logistiques restent très élevés. Ces cinq dernières années, 100 000 voitures électriques ont été importées. Le gouvernement vise 400 000 d'ici 2030. Allez, pour aller plus loin, on retrouve le docteur Dorsouma Alhamdou, chef de division du département climat et croissance verte à la Banque africaine de développement, pour évoquer la transition écologique en Afrique
et ses implications pour le développement durable sur le continent. Merci, docteur Dorsuma, d'être avec nous et de nous rejoindre sur France 24. C'est un plaisir. Alors, on le sait, l'Afrique a une faible contribution au COD mondial, mais ressent les impacts du changement du CO2 et à une, donc, du changement climatique de manière disproportionnée, on va dire. Peut-être pourriez-vous nous dire, pour commencer, quelles sont rapidement les principales sources de pollution du continent africain ? Merci. Je pense que vous avez bien posé le contexte. L'Afrique fait justement face à une triple problématique. Tout d'abord, c'est le continent le moins émetteur de gaz à effet de serre. Comme vous l'avez dit, le continent est le plus, est le, celui qui émet le plus, le moins, pardon, en matière de démissions. Mais paradoxalement, c'est le continent le plus vulnérable. 9 des 10 pays les plus vulnérables au monde se trouvent en Afrique. Et l'autre paradoxe, justement, c'est que le continent qui a le moins accès à la finance climat, c'est justement le continent africain. Maintenant, pour ce qui concerne votre question, les sources des émissions de gaz à effet de serre en Afrique sont multiples, mais la source principale est plutôt liée à la déforestation et aux mauvaises pratiques agricoles, qui représentent environ 65% des émissions de gaz à effet de serre en Afrique. Mais à l'échelle globale, comme vous l'avez dit, l'Afrique ne représente rien du tout. Le continent ne contribue qu'à une échelle très marginale aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, et après la déforestation, oui, viennent d'autres sources, notamment la gestion des déchets, également la question du transport, la mobilité est également l'une des sources des émissions de gaz à effet de serre. Alors, parlons du transport justement et de l'écomobilité. Vous avez vu la décision qui a surpris tout le monde de l'Éthiopie. Comment vous analysez justement cette décision quasiment unique d'ailleurs sur le continent africain, d'interdire totalement les voitures à essence? Oui, mais la décision n'est pas seulement unique au continent africain. Je crois qu'elle est unique à l'échelle mondiale. Qu'un pays puisse prendre une telle décision, elle est très salutaire à mon avis, parce que cela envoie un signal fort à la communauté internationale sur la nécessité de prendre des actions fortes pour réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre. Mais force est de constater également que cette décision pose un certain nombre de problèmes, notamment, et cela a été soulevé dans le reportage, la question de la disponibilité des bornes de recharge, parce que une telle mesure devrait être accompagnée d'importantes mesures d'accompagnement, ce qui, à mon avis, ne s'est pas encore présenté. Et surtout, l'une des mesures d'accompagnement, c'est de disposer des bornes de recharge pour que les utilisateurs de ces véhicules puissent facilement s'approvisionner au niveau des bornes plus disponibles. Mais comme vous l'avez montré dans le reportage, ça, c'est une problématique qui n'est pas encore réglée. Mais de façon générale, la mobilité urbaine est une source importante non seulement d'émissions de gaz à effet de serre, mais également d'émissions de particules fines et d'autres gaz qui ont d'impact important sur la santé humaine et sur l'environnement naturel. Donc, cette décision, elle est salutaire. Elle a beaucoup de bénéfices, des avantages à l'échelle plutôt locale. Mais au niveau global, à son niveau, en termes de contribution, de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, cela reste une mesure très, très marginale à notre avis. Rapidement, très rapidement, docteur Dorsuma, justement, juste sur la modernisation du parc automobile, qu'est-ce que justement les pays africains pourraient faire collectivement avant d'interdire globalement, de façon drastique comme ça, les voitures à essence? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer l'écomobilité sur le continent africain? Alors, moi, je pense que vous avez là touché du doigt le véritable problème en Afrique en matière de mobilité urbaine, surtout. C'est la question du parc automobile qui est très vieillissant et un parc automobile qui, justement, dépend des importations importantes venant d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Et ce sont souvent des véhicules qui sont peut-être interdits à cause de leur empreinte carbone dans ces pays, qui sont importés dans les pays africains. Et donc, ce parc automobile vieillissant est source d'émissions importantes de gaz, pas seulement de gaz à effet de serre, mais d'autres gaz qui ont un impact direct sur la santé des populations. Mmh. Donc, je pense que l'interdiction de ces véhicules... Merci.
est une mesure importante, mais elle n'est pas la seule et unique. Je crois qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur Dorsouma Alhamdou. Merci pour vos éclairages sur la transition, justement, écologique en Afrique. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir d'Abidjan à Niamena en passant par Dodoma. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.